Hop. Allez, go. Du coup, je remets l'écran et donc suite, je ne sais pas comment se passe la journée pour vous, si vous enchaînez les conférences Digital Habitat, mais du coup, ce petit marathon de conférences. Donc, celle-ci que je suis très heureux de faire avec vous s'intitule Individualisation des frais de chauffage, de la contrainte à l'opportunité grâce au digital. Donc, les présentations rapidement. Moi, je suis Éric Vorgé, je suis président cofondateur de Coquelicot. Alors, le point de départ, et si la conférence s'intitule, conférence est un bien grand mot, mais disons la présentation s'intitule De la contrainte à l'opportunité, c'est parce que le point de départ, c'est une réglementation sur ce sujet de l'individualisation des frais de chauffage. Et c'est une réglementation qui a des fondements tout à fait valables parce que quand on parle du chauffage, donc c'est 27% de la consommation d'énergie totale en France, donc c'est un énorme morceau. C'est la priorité absolue en termes de transition écologique pour la France. Et c'est dans le contexte du chauffage collectif, en fait, on a des utilisateurs qui sont très peu responsabilisés sur leur consommation, puisque le système général, c'est la répartition des frais de chauffage au tantième, c'est-à-dire que dans une résidence, ceux qui font attention consomment autant que ceux qui ne font pas attention. Et donc, ce n'est pas vertueux et ça n'incite pas les gens à faire des économies. Raison pour laquelle les pouvoirs publics ont décidé de légiférer. Et depuis la loi Elan, donc fin 2018, les bailleurs sociaux et les copropriétés ont maintenant l'obligation d'individualiser les frais de chauffage. Et il y a une amende à la clé de 1 500 euros par an et par logement non équipé. Juste un petit point technique. Est-ce que la présentation défile bien? Non? Alors. Hop, on va repartir. Donc, affichage. Du coup, est-ce que. Vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît, si là vous avez bien la présentation en partage d'écran. D'accord. Alors, je vais arrêter, je vais repartir parce que j'ai un message qui me dit que c'est resté bloqué sur la première page. Donc, je suis parti tout seul dans mon tunnel. Allez, je relance. OK. Donc, normalement, j'étais en train de vous dire ça. Donc, l'obligation réglementaire d'individualiser les frais de chauffage. Et donc, il y a eu une étude de l'ADEME une assez grosse étude qui conclut que l'individualisation des frais de chauffage, de par son effet sur les comportements, induit une réduction de 15% de la consommation de chauffage. Alors, un premier point intéressant sur le sujet, c'est qu'en fait, il y a des études qui concluent sur des chiffres assez variables. Donc, certaines études à l'international vont dire 5%, l'étude en France dit 15%, d'autres disent 20%, 25%. Et donc, il y a une incertitude assez importante sur cette valeur. Mais en tout état de cause, c'est celle-ci de 15% qui est inscrite noir sur blanc dans la réglementation. Alors, la réaction du monde HLM par rapport à cette réglementation, elle n'était pas très favorable. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un dispositif qui était considéré comme coûteux par rapport à ce qu'il apportait. Et l'Union sociale pour l'habitat est allée jusqu'à déposer un recours qui court toujours, mais qui va arriver à son terme, auquel a priori le ministère n'a pas répondu, pour amender cette réglementation. Donc, en fait, le problème, c'est-à-dire que si sur le principe on comprend bien l'intérêt qu'il y a à ce que chacun paye sa facture,
Le problème vient en grande partie des solutions techniques qui existent actuellement pour faire ça. Et donc, ces solutions techniques, elles sont de deux types. Il y a les compteurs d'énergie thermique qui ne font pas débat, mais qu'on ne peut installer que dans à peu près 20% des cas pour des raisons techniques. Et l'autre solution technique s'appelle les répartiteurs de frais de chauffage. Ce sont des équipements qui se mettent directement sur les radiateurs, qu'on peut installer même quand on ne peut pas mettre de compteur d'énergie thermique. Et là, par contre, ces appareils posent des gros problèmes de fiabilité et sont très décriés. Alors, nous, on est à chez Coquelicot, on s'est penché sur ce sujet parce qu'on a vu que voilà, il y avait un gros sujet, un sujet de sensibilisation des occupants, un sujet d'économie de chauffage important, et en même temps un rejet des solutions techniques existantes par les principaux concernés. Et donc, on s'est penché sur ce sujet avec un regard nouveau. Ce regard, c'est celui donc des quatre au départ cofondateurs de Coquelicot. On est des experts de la simulation thermique dynamique des bâtiments. On s'est rencontrés, on a fait une thèse de doctorat à l'École des Mines sur ces sujets d'efficacité énergétique des bâtiments, d'algorithmes d'optimisation énergétique. Et nous, notre motivation, ce n'est pas celle de fabricants de matériel qui sont de vendre un maximum de compteurs ou de répartiteurs. Nos motivations, c'est accélérer la transition écologique des bâtiments, réduire les charges énergétiques et accélérer la prise de conscience des enjeux énergétiques parmi les usagers, en donnant des moyens d'action et pas simplement en tapant sur les gens, leur disant c'est pas bien, vous polluez et vous, à cause de vous, la planète se réchauffe. Et donc, on a fait, c'est un terme qui est assez à la mode, on parle de penser en dehors de la boîte, think out of the box, c'est finalement de repenser les problèmes depuis le départ. Donc, aujourd'hui, c'est ce type de processus qui conduit à de l'innovation. Donc, ça va être, par exemple, de dire, bah, on n'a pas forcément besoin d'avoir une voiture. Le besoin fondamental, c'est de se déplacer d'un point A à un point B dans des bonnes conditions de rapidité et de sécurité. Bien, on n'a pas besoin forcément d'un lit. En fait, on a besoin de dormir dans des bonnes conditions, un certain nombre d'heures par jour. Bon, il se trouve qu'on n'a pas encore trouvé de meilleure solution pour bien dormir, mais fondamentalement, c'est un peu ça l'approche. Et donc, en l'occurrence, quand on parle du chauffage dans les bâtiments, le but, ce n'est pas de brûler du gaz, d'avoir des kilowattheures, le but, c'est de fournir un certain niveau de confort dans les logements. Et ensuite, quand on parle d'individualisation des frais de chauffage, le but, ce n'est pas de mettre des compteurs, le but, c'est de savoir quelle est la quantité de chaleur qui a été consommée par chaque logement pour que chacun paye sa juste part. Et donc, nous, avec notre regard de spécialiste de la simulation thermique et des algorithmes et de l'IoT, on s'est dit, ben, on va partir du confort. On va mesurer la température intérieure dans les logements. Et après, pour calculer la consommation de chauffage, ben, on sait faire, en fait. C'est la simulation thermique, c'est des calculs de déperdition. On a toutes les données dont on a besoin. Il nous faut des informations sur les bâtiments. Mais voilà, c'est faisable. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on répond à la question. Et en plus, on va collecter des données qui vont être hyper utiles pour fournir d'autres services. Et là, on est dans la logique de la digitalisation des données qui ont des usages multiples, qui sont partageables entre différents acteurs. Alors, concrètement, la solution, donc, en quoi elle consiste? Donc, on a une partie à gauche d'équipement des bâtiments. Donc, pour faire l'individualisation des frais de chauffage, un prérequis, c'est de mettre des robinets thermostatiques. Et ben nous, on va préconiser des vannes, des robinets thermostatiques connectés, qui vont au passage mesurer la température dans les pièces. Et puis dans le séjour, on va mettre une sonde parce que dans le séjour, on a plusieurs radiateurs. Donc c'est bien d'avoir une sonde d'ambiance pour l'ensemble de ces radiateurs. On collecte également des informations en chaufferie. Tout ça communique par radio, puis jusqu'à nos serveurs. Et donc on récupère toutes ces données qui remontent en continu sur nos serveurs. Ensuite, on a, côté droite de la slide, la partie jumeau numérique du bâtiment, où là, on modélise le bâtiment avec des informations sur la géométrie et sur les compositions des parois, d'isolation, des menuiseries. Même chose, ces données remontent sur nos serveurs. Et à partir de ça, on a un logiciel qui va fournir l'individualisation des frais de chauffage et un ensemble de services pour l'optimisation du chauffage collectif. Un premier point, c'est que avec cette méthode, on a un calcul de la consommation de chauffage qui est plus équitable
Ça, c'est important en logement social parce que les gens ne choisissent pas leur logement. Et donc, le but, ce n'est pas que d'un seul coup, ceux qui sont mal placés se retrouvent à payer deux fois plus et ceux qui sont bien placés se retrouvent à payer plus rien parce qu'ils se font chauffer par leurs voisins. Ça, c'est une problématique qui se pose avec les compteurs, les répartiteurs, qui est très mal prise en compte par les prestataires, même s'ils proposent ce que vous voyez à l'écran, un peu, ce qui s'appelle des coefficients de correction. Et nous, avec notre solution, grâce aux jumeaux numériques, on a la géométrie exacte du bâtiment et du coup, on a un comptage plus équitable, c'est-à-dire que les gens, pour un niveau de confort égal, payent la même chose, peu importe leur position dans l'immeuble. C'était une petite, un premier point préalable, un des avantages de la solution. Ensuite, alors, comment ça se présente pour le bailleur social? Concrètement, il y a une plateforme SaaS, donc ça veut dire Software as a Service, donc plateforme web, qui est mise à disposition. Alors, la première chose, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, c'est la répartition individuelle du chauffage. Ça, c'est le service de base. Ça permet de savoir sur une période donnée la consommation de chaque logement pour pouvoir faire la facturation correspondante. Cette facturation, elle est fournie dans des formats standards qui ont vocation à s'intégrer de manière fluide dans les ERP. C'est ce qu'on voit au milieu. Il y a notamment un format. Et le format Schlumberger. Ensuite, là, on sort de l'individualisation des frais de chauffage à proprement parler et on rentre dans les autres utilisations possibles de la donnée. Donc, ce qu'on voit en haut à droite, c'est le suivi de la température. Donc, c'est tout bête, mais on a accès du coup à la mesure de température dans les logements. Ça veut dire que des gens qui appellent pour se plaindre qu'il fait trop froid, il fait trop chaud. Bah déjà, potentiellement, on a des alertes qui vont nous le dire en avance de phase. C'est plutôt sympa. Et puis ensuite, eh ben, il y a la possibilité d'aller voir à distance. Pas besoin d'aller dépêcher quelqu'un avec un thermomètre pour aller mesurer. C'est valable pour le bailleur. C'est valable également pour l'exploitant. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est des analyses par rapport au confort d'été, notamment. Donc, ça, c'est un projet avec Domo France sur Bordeaux. Il a fait très chaud cet été. Et on a pu voir qu'il y avait certains logements qui étaient dans des conditions de confort vraiment difficiles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur une résidence, ce n'est pas tous les logements, c'est certains logements. Et même dans ces logements, c'est certaines pièces particulières. Et donc là, on a ces informations-là, donc qui peuvent être utilisées pour Domo France, par exemple, pour se dire, ben, ces logements, on va éviter de les attribuer à des personnes âgées, par exemple. Et puis nous, derrière, avec le jumeau numérique, on fait des préconisations et on évalue, par exemple, l'effet de casquettes solaires bien placées qui vont permettre de résoudre ces problèmes d'inconfort d'été. Ensuite, on a en haut à gauche des éléments de suivi de la consommation d'énergie. Et là encore, on a des données très complètes qui permettent de voir rapidement si un bâtiment consomme plus que prévu, à quoi c'est dû. Le fait d'avoir les températures intérieures dans les logements, c'est une information qui est très utile parce que si on a juste les informations de la chaufferie, en fait, il y a des trous dans la raquette et on ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, on voit si un bâtiment consomme plus que prévu rapidement, si c'est parce qu'il est surchauffé ou si c'est simplement parce que on est dans une période très froide ou bien si c'est une autre raison. Ensuite, on sait qu'un des gros problèmes en chauffage collectif, c'est ce qui s'appelle l'équilibrage du réseau hydraulique, c'est-à-dire des débits dans les réseaux d'eau chaude qui ne sont pas forcément bien réglés. Et là, on a un visuel simple qui permet de faire un diagnostic très précis sur l'équilibrage. Donc, on représente les températures moyennes par étage, les températures moyennes par cage d'escalier, ça nous permet d'avoir une note sur l'équilibrage et de cibler des bâtiments sur lesquels il y aurait des problèmes spécifiques. Ensuite, le dernier point sur cette slide qui est un petit peu longue, mais c'est parce qu'on peut faire beaucoup de choses, c'est sur la rénovation. Donc, l'individualisation des frais de chauffage, c'est obligatoire pour les bâtiments les plus consommateurs. Donc, c'est des bâtiments sur lesquels il va y avoir des rénovations dans les années qui viennent. Et là, on a toutes les données qui nous permettent de connaître parfaitement le bâtiment et de travailler vraiment efficacement sur les scénarios de rénovation. Et donc là, la slide, c'est un projet en cours avec INLI,
une grosse rénovation, 340 logements en Île-de-France. Et donc, alors ce qu'on voit, en fait, c'est il y a en couleur les réponses des quatre groupements qui sont en phase finale, donc Bouygues, Eiffage, Vinci, Legendre, qui sont positionnés sur un graphique avec le coût des travaux, en tout cas sur la partie enveloppe thermique, et la consommation de chauffage en vertical. Donc, ce qu'on voit, c'est que les groupements ont fait des propositions différentes. Par exemple, en haut à gauche, c'est Bouygues, donc c'est la proposition la moins chère, mais forcément la moins performante. Et puis, le plus en bas à droite, c'est Legendre avec la proposition la plus chère donc, et la meilleure performance énergétique. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que on a tous les petits points en dessous. Ce sont des solutions qui ont été trouvées par notre système qui sont systématiquement moins chères et plus performantes. Et donc, dans la discussion avec ces groupements, INLI, comme ça, assez bille pour discuter avec les groupements, les challenger un petit peu et aller vers une solution plus performante. Donc, à chaque fois, on voit finalement c'est le même système au départ et c'est donc les mesures et du jumeau numérique, mais qui sont déclinées sur différents usages et au final, ça crée beaucoup plus de valeur que un système de comptage pur et simple. Les habitants, on les oublie pas. C'est eux qui sont finalement les plus concernés dans cette histoire d'individualisation des frais de chauffage. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de les sensibiliser et de leur permettre de prendre le contrôle de leur facture de chauffage et donc de leur donner une information pertinente. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'est un décompte individuel de frais de chauffage classique type répartiteur. C'est le genre de document qui fait peur à tout le monde et il n'y a aucun locataire au monde qui va analyser ce type de document et s'appuyer dessus pour comprendre combien il paye, comment il pourrait faire des économies. A contrario, nous, ce qu'on propose à droite, donc c'est une plateforme avec une présentation avec la température intérieure et la facture correspondante. Et donc là, les gens peuvent voir, tiens, sur le mois passé, donc je me suis chauffé à 22 degrés en moyenne, ça représentait 110 euros de chauffage. Si je m'étais chauffé un degré de moins, donc ils peuvent jouer sur la molette, à ce moment-là, ah oui, ça représenterait 95 euros de chauffage. C'est le langage de tout le monde, c'est compréhensible et ça permet aux gens de vraiment s'approprier les choses. Et il y a une mise à jour mensuelle. Donc voilà, on sait que c'est beaucoup plus efficace en termes de sensibilisation que juste le décompte qui tombe à la fin de l'année. Il y a aussi la possibilité de se comparer par rapport aux voisins, pour se voir par rapport à... Ce n'est pas les voisins directs, hein, c'est anonymisé, c'est la moyenne de la résidence, mais ça permet de voir comment on se situe. Et on sait aussi que c'est un moteur pour agir. Quand on voit que les autres font des économies, on a aussi envie d'en faire. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une slide, donc c'est une solution innovante basée sur le relevé des températures. C'est une solution web qui sert plusieurs métiers, qui est disponible H24. Ce sont des données disponibles pour optimiser les installations, donc bien au-delà du comptage. C'est une équipe d'experts et de passionnés par l'efficacité énergétique pour vous accompagner. Donc, ce n'est pas simplement déployer du matériel à un instant T et rendez-vous dans 10 ans. C'est une solution qui est moins invasive. Voilà, mettre des sondes de température, c'est très simple. S'il faut mettre des robinets thermostatiques, mettre plutôt des robinets thermostatiques connectés. Ce n'est pas plus compliqué, il n'y a pas de plomberie. Donc, voilà, c'est un déploiement plus facile. C'est une anticipation du cadre législatif parce que on est déjà à jour par rapport à un relevé mensuel qui sera obligatoire à partir de janvier 2022. Ce sont des vraies économies d'énergie parce qu'il y a l'aspect individualisation des frais de chauffage, l'impact sur le comportement des locataires, mais il y a aussi l'analyse sur l'équilibrage, sur la courbe de chauffe, sur voilà, tous les aspects de l'installation de chauffage collectif qui font que c'est 5%, plus 5%, plus 5% d'économie, et au final, ça fait des vraies économies d'énergie.
c'est l'éco-responsabilisation des locataires. Et puis, globalement, c'est un partenaire pour vous accompagner sur les sujets d'énergie. Je montrais tout à l'heure l'exemple sur la rénovation avec INLI. Voilà. J'espère qu'il reste du temps pour les questions. A priori, la présentation était calibrée pour qu'on ait le temps d'en discuter. Je vais arrêter le partage et puis vous rejoindre sur le chat pour les questions. Je vous remercie. Alors, il y a déjà une question. OK. Les locataires peuvent-ils refuser l'installation de votre outil? Alors, j'ai toujours le partage d'écran. Donc, en fait, l'individualisation des frais de chauffage est obligatoire. Donc, les locataires, non, ne peuvent pas refuser à ce que soit mis en place un système de comptage du chauffage sur les bâtiments pour lesquels c'est obligatoire. Après, c'est le bailleur qui choisit le type de système. Et je pense que la question qu'il y a derrière, c'est une question par rapport à la certification de la solution. Et si c'est pas ça, j'anticipe sur cette question. Donc, on est en train de boucler les démarches pour faire certifier la solution au même titre que les compteurs et les répartiteurs. Admettons qu'ils refusent la collecte des données. Alors, si on reste sur un calcul mensuel, ils ne peuvent pas refuser, de la même manière qu'ils ne peuvent pas refuser à ce que soit mis un compteur d'eau froide, d'eau chaude, un compteur de chaleur. Ce qu'ils peuvent refuser, c'est à ce qu'on remonte une donnée à un pas de temps horaire. Voilà. Donc là, en fait, effectivement, ils ont la possibilité de dire oui ou non. Mais la plupart du temps, en fait, c'est intéressant pour eux aussi, c'est une donnée à laquelle ils souhaitent accéder. Et donc, voilà, on obtient l'accord. Mais fondamentalement, sur le comptage, voilà, on peut pas. Le bailleur ne peut pas être pris entre le marteau et l'enclume, entre d'un côté un législateur qui lui impose d'avoir un comptage mensuel et de l'autre côté des locataires qui refusent. Bon, parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que c'était tellement clair qu'il n'y a pas d'autres questions? Sinon, le temps que des questions émergent, je voulais peut-être vous partager une information sur aujourd'hui, donc l'avancement du déploiement et le fait que l'Union sociale pour l'habitat avait lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le sujet. Donc, l'Union sociale pour l'habitat essaie d'être constructif. Ils sont opposés à la réglementation au nom du monde HLM parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qui contestaient. Mais l'objectif, c'est toujours d'en sortir par le haut. Et donc, ils ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour voir s'il n'y avait pas des solutions plus intéressantes que les compteurs et les répartiteurs. Donc, c'était à l'été dernier. Forcément, nous, Coquelicot, on y a répondu et on a la chance d'être lauréat. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un groupe de travail qui s'est construit avec l'Union sociale pour l'habitat et avec un groupe d'aujourd'hui 15 bailleurs précurseurs. Et c'est un groupe qui est en train de s'étoffer pour lancer des projets pilotes avec Coquelicot. Donc, les premiers projets pilotes ont commencé au mois de septembre et on en lance au fil de l'eau depuis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir des bâtiments différents, des contextes différents, dans des régions différentes, avec aussi des variantes techniques sur la solution, puisque des fois, on va mettre des vannes connectées. Des fois, il y a déjà des robinets thermostatiques qui sont en place, qui sont récents. Donc, on va pas s'amuser à les remplacer. On met plutôt des sondes de température, voire on met des détecteurs de fumée qui intègrent des sondes de température, parce qu'il y a certains bailleurs qui ont des chantiers de remplacement des détecteurs de fumée. Donc, dans ce cas, on fera d'une pierre deux coups. Et donc, il y a une possibilité de cofinancement de ces projets pilotes avec le fonds de soutien à l'innovation.
Et donc, si certains d'entre vous sont intéressés, on vous invite à prendre contact avec nous pour qu'on vous explique toutes les modalités pour rejoindre ce groupe de travail et lancer ça. Voilà. OK. Alors, j'ai pas les noms, donc il y a un commentaire. Nous avons un immeuble concerné. Je venais prendre un peu d'informations sur le sujet. Ouais. Parfait. J'espère que vous avez eu ces informations et sinon, on prend attache pour prendre le temps d'en discuter. Ah, ok, bon, super. On ne voit pas les noms, on ne sait pas du coup qui vous êtes, mais on se connaît peut-être du coup. Il nous reste 3 minutes. Si vous avez des questions, il faut en profiter. Sinon, je vais meubler. De quoi est-ce que je pourrais parler dans ces 3 minutes restantes? Sur un élément sur ouais, la facilité d'installation, ça peut être intéressant d'insister là-dessus et sur les synergies avec les autres systèmes. Tiens, si peut-être un point, comme on est quand même un événement qui s'appelle Digital Habitat, avec tout un écosystème de start-up et toute une réflexion sur le numérique. Un point important, c'est que nous, on s'intègre vraiment dans cet écosystème. Donc, on est dans des logiques d'API. S'il y a des données existantes, on va les chercher via des API. Donc, il y a tout un certain nombre d'acteurs qui sont présents sur cet événement avec lesquels on communique très bien. Donc, je pense par exemple à Intent Technology ou d'autres acteurs de ce type. Et nous-mêmes, on met à disposition nos données pour d'autres personnes qui sauraient les valoriser sur d'autres services via des API. Toujours dans cette logique d'interopérabilité, donc si on installe la solution sur un bâtiment qui n'a pas déjà de connectivité existante, donc on met en place une connectivité avec des passerelles dans les parties communes et on est sur des protocoles standards. Donc si jamais il y a d'autres objets connectés qui doivent être intégrés par la suite, et bien ils vont pouvoir s'appuyer sur ces passerelles. Donc, par exemple, des objets connectés liés pour aller récupérer des infos sur des VMC, pour aller récupérer des infos sur des ascenseurs, que sais-je. Bah, du coup, il y a une infrastructure pour connecter le bâtiment qui sera en place. Et donc, voilà, il y a vraiment cette logique d'écosystème, d'interopérabilité. Pareil, sur l'interface que je vous montrais tout à l'heure qui est dédiée aux habitants, l'objectif, c'est pas de multiplier les interfaces avec X login, X mot de passe pour les habitants. Donc, si vous, bailleur, vous avez un intranet, un extranet, nous, on peut très bien, par API, envoyer les informations pour que ces informations concernant les consommations de chauffage soient dans l'intranet et du coup, voilà, sur le compte de vos locataires. Donc, c'est vraiment cette logique, et ça, c'est un point différenciant par rapport aux prestataires qui installent des compteurs répartiteurs, qui, eux, sont vraiment dans leur schéma industriel et qui installent une solution voilà, qui est pas du tout interopérable en silo, pour reprendre un terme à la mode. Écoutez, il est 17h30. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie et je vous invite à prendre contact avec nous pour approfondir le sujet. Et je vous souhaite une excellente fin de journée sur ce Digital Habitat. À bientôt. Au revoir.